Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester la peinture acrylique de Dale Rowney. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube chaque mercredi, une vidéo technique. Alors pour ne pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez avisé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreux à poser des questions techniques auxquelles nous répondons Linda et moi tous les samedis. Et parmi ces questions, il y en a plusieurs. Il y en a même pas mal sur le matériel et notamment sur les différentes marques et différentes gammes de peinture. Et justement, je me souviens plus qui, mais quelqu'un nous a demandé ce que je pensais de cette peinture-là, la peinture de Dale, pas facile à dire, Dale Rowney, parce que c'est une marque anglaise. Voilà. Et alors, donc moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé avant. Peut-être que j'ai eu un tube comme ça dépareillé de cette marque-là quelque part dans mes boîtes de peinture. J'en ai peut-être utilisé sans spécifiquement vouloir utiliser cette marque-là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va la tester. On va regarder ça ensemble, comment est-ce qu'elle fonctionne, son opacité, sa charge de pigments, tout ça. Et à la fin de cette vidéo, donc après le test, je vais vous faire une petite démonstration, c'est-à-dire que je vais l'utiliser dans la réalisation d'un tout petit tableau, quelque chose de vraiment très rapide. Oui. Voilà, donc on va commencer à regarder un petit peu cette peinture. Puis, juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour télécharger le e-book. C'est entièrement gratuit. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, servez-vous. C'est gratuit. Un e-book sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que si vous ne recevez rien, une fois que vous avez rentré votre email, allez voir dans les spams. Essayez de voir dans les spams si des fois vous n'auriez pas reçu le lien pour aller le télécharger, parce que ça peut arriver. Et si ce n'est pas dans les spams, si vous ne recevez rien, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, vous allez dans milonartacademy.com et vous avez un lien pour nous contacter. Puis là, vous remplissez le formulaire pour nous dire « j'ai pas reçu mon email, j'ai pas reçu le lien pour télécharger le e-book », alors n'hésitez pas à l'écrire là, c'est là qu'il faut l'écrire, pas dans les commentaires sur Facebook ou autre, parce que je vous avoue que je ne les lis pas tous. Par contre, les courriels, les messages, tout ça, ça on les lit, c'est certain. Voilà, donc comme ça, ça c'est dit. Alors c'est parti, nous allons tout de suite découvrir cette fameuse peinture, cette marque de peinture que je n'utilise pas principalement. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, donc Dale Rowney, cette marque de peinture. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque de peinture fait de l'acrylique, de l'huile, des aquarelles, de la gouache, des encres pour la calligraphie, des encres pour la peinture, pour l'impression, pour... il y a des marqueurs aussi, donc ils font beaucoup de choses. Et pour tester, effectivement, c'est le mieux pour moi, c'est toujours la peinture acrylique parce que ça sèche plus vite. Et je pense que c'est ça, on m'avait demandé qu'est-ce que je pensais de cette peinture acrylique. Alors j'ai acheté celle-là, voilà. Alors comme toujours, comme toutes les marques, nous avons... oui, c'est fabriqué en Angleterre, United Kingdom, ça vient d'Angleterre. Toutes les marques de peinture... fabrique plusieurs gammes dans l'huile comme dans l'acrylique. Et dans l'acrylique, alors, il y a l'encre calligraphique, ok, c'est bon, c'est de l'encre. Il y a la Krila artiste acrylique. La Krila qui est vraiment, je pense, c'est la gamme de peinture la plus professionnelle, la plus chargée en pigments. Vous voyez. Il y a d'autres encres aussi, FW acrylique encre, les encres perlescentes aussi, l'acrylique graduate, alors ça c'est pour les étudiants, pour les écoles, l'acrylique simply, qui est une gamme, on va dire la gamme de base, la système 3 acrylique, voilà, ça c'est comme la heavy body, la haute viscosité,
Il y a la. Quoique, non, en fait, la System 3, c'est la. On va dire, c'est l'acrylique de base, parce qu'il y a aussi la System 3 Heavy Body. Il y a la System 3 encre acrylique et la System 3 Screen Painting, qui est pour faire vraiment. Printing, pardon, qui est pour faire les. La peinture, on va dire, mon Dieu. Ça m'est sorti de la tête. Vous savez, lorsqu'on fait de la teinture de tissu, là, avec des pochoirs, là, ces choses-là, mon Dieu. Du batik et des choses comme ça, voilà. Excusez pour la perte de mémoire. Voilà, donc ici, j'ai la gamme System 3 acrylique, qui est quand même la gamme, on va dire, moyenne, voilà, la médium. Hein. Ce n'est pas la Heavy Body, ce n'est pas non plus la Simply. Okay? Alors, j'ai acheté cette boîte, comme d'habitude, quand je fais. Des tests et des essais, je vais acheter plutôt un ensemble, hein, c'est plus facile. Bon, elles se sont un peu déplacées, nous allons voir qu'est-ce que nous avons ici. Au niveau des couleurs, je vais peut-être les replacer un petit peu différemment que comme elles étaient à l'origine, je ne sais pas. Voilà, quelque chose de logique. Ici, au niveau des couleurs, bon, mais j'ai le blanc de titane, le jaune citron, le jaune cadmium. Jaune cadmium, il n'y a pas marqué pâle, moyen, non, il n'y a rien, jaune cadmium tout simplement. You, alors c'est nuance 2, rouge cadmium, you, le crimson, l'ocre jaune, je vais le mettre à l'endroit, le vert, nous avons ici, alors je la découvre en même temps que vous, l'émeraude, l'ultramarine, le burnt umber, la terre d'homme brûlée, et le noir de Mars. Ah, une gamme tout à fait ordinaire, tiens, on a deux bouchons blancs, le reste sont des bouchons noirs, sûrement qu'ils ont changé en cours de route leur forme et leur couleur de bouchon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors j'ai été voir sur leur site internet, je pense qu'il n'y a que la Krila Artist Acrylic, qui est donc la peinture pour les artistes professionnels, dans laquelle il y a des vrais cadmium et des vrais cobalt. Sinon, toutes les autres gammes, dans les couleurs, c'est toujours des teintes de cadmium, des teintes de cobalt. Des teintes de jaune de Naples aussi, par exemple. Ce sont des mélanges de couleurs pour réaliser l'équivalent d'un cobalt ou d'un cadmium qui, eux, sont, on le sait, cancérigènes et sont plus chers à l'achat aussi. Voilà. Donc, ce sont des nuances de, des teintes de. C'est bon? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour tester cette peinture aujourd'hui? Ben, on va voir comment est-ce qu'elle est pigmentée, quelle est sa couvrance, son opacité et aussi sa viscosité. Et ce qu'on pourrait faire, on pourrait la comparer par exemple avec un tube de peinture Golden. Alors nous allons tester chacune des couleurs qui se trouvent ici. Pour commencer, ben, je vais les mettre sur la palette. Voici le blanc. Je trouve d'une part la viscosité, un petit peu, lorsque je sors la peinture du tube, elle est un peu molle. Elle a l'air assez transparente, assez molle comme ça. La première vue, je ne me retrouve pas avec une peinture de qualité, bien sûr, comme la Golden ou la Heavy Body, hein, c'est certain, là, de Liquitex, par exemple. Mais il faut dire aussi que ça n'est pas la grande gamme non plus d'Eleroni. Alors, sûrement que là, quand j'ai acheté ça, je n'avais pas la possibilité de prendre la Heavy Body. Il n'y en avait pas. Je n'ai pu prendre que celle-ci. La System 3. Puis je trouve que c'est bien aussi de tester les gammes moyennes parce que pas tout le monde a la possibilité d'acheter des hauts de gamme, hein, la peinture la plus chère. Je vais continuer par ici en bas pour la terre d'homme brûlée et le noir d'ivoire. Voilà, toutes les couleurs sont là. Alors, j'avais un petit avertissement dans la boîte. Il y avait écrit nous mettons à jour nos tubes. Nous sommes désolés que ce set contienne une combinaison d'anciens et de nouveaux tubes, mais la couleur à l'intérieur est toujours la même. Oui, c'est pour ça qu'il y avait
deux bouchons blancs et le reste c'est des bouchons noirs. Là, je vais mettre ici dans ma golden blanche, hein, titanium white, puisque nous avons ici du blanc de titane. Je vais en mettre un petit peu ici. Le blanc à côté du blanc. Au moins pour le test d'opacité, parce que pour la viscosité, on voit de suite que elle est beaucoup plus épaisse. Alors le test va être simple, je vais appliquer chaque couleur de peinture ici pour un petit peu leur... Oui, je prends du blanc de titane, je charge mon pinceau de manière normale. Je vois un petit peu la longueur. J'ai combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais peut-être y aller plus à la verticale, ça sera peut-être mieux de gauche à droite. Alors là, vous voyez, si vous voulez, bon, ça ne se voit pas trop blanc sur blanc. J'ai parti mon coup de pinceau d'ici. Il a commencé à se décharger à partir d'ici, puis je suis arrivé jusqu'ici. Elle est quand même... Donc, vu qu'elle n'est pas très épaisse au niveau de la viscosité, bien sûr, elle va s'étendre certainement un petit peu plus longtemps, comme ceci, vous voyez. Vous voyez, c'est a commencé à manquer de peinture à partir d'ici. C'est très bien au niveau de l'application. Lorsqu'on va faire de la peinture, si elle est assez couvrante, c'est très intéressant d'avoir une peinture comme ça qui se décharge aussi lentement, hein, si vous voulez, qui en laisse autant. Alors, vous voyez, le rouge est un petit peu plus épais, légèrement plus épais. Vous voyez, il a commencé à manquer de peinture plus tôt, avant. Alors le cramoisi, il ressemble peut-être plus à un magenta qu'un cramoisi, hein, parce qu'il est un vrai cramoisi serait beaucoup plus foncé que ça. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas scientifique, hein, je ne suis pas certain de prendre exactement la même quantité de peinture à chaque fois. J'essaye en tout cas. Vous voyez, de bien charger mon pinceau, mais que d'un seul côté bien sûr. Voilà, on continue, le vert émeraude. Vraiment, dès que la peinture est un peu épaisse, c'est ça que ça fait, il en manque assez tôt. Il m'en reste 3, je vais voir la place, oui. Le bleu outre-mer. Je charge bien quand même, hein. Toujours, j'essaye de charger toujours de la même manière mon pinceau. De peindre toujours avec la même vitesse. Je sèche bien mon pinceau entre chaque couleur pour pas qu'il reste de l'eau dedans, qui pourrait changer la donne. Je vais en reprendre un peu, là j'ai un petit peu manqué mon coup. Bon, voilà, je suis parti un petit peu trop croche. Hein, la terre d'ombre brûlée. On a une épaisseur quand même importante, le noir de Mars ici, on va voir ça. L'appui aussi du pinceau sur la toile est toujours le même. J'ai une toile qui est vraiment pas très lisse, une toile quand même assez rugueuse, qui a été recouverte de couches de gesso, puis un petit peu poncée. Je vais faire pareil maintenant avec mon blanc de Golden. Je vais mettre à côté du noir sur le bord de la toile ici. Ah ouais, ici j'ai commencé à manquer de peinture ici, vous voyez, parce qu'elle est vraiment très épaisse là, vraiment très très épaisse. Alors ça se voit certainement pas. Regardez ce que je vais faire. Je vais teinter un petit peu mon blanc. On va mieux le voir comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de bleu dedans. Voilà, c'est trop peu pour que ça change sa viscosité.
Et je vais refaire le test à côté du blanc à gauche ici. Là, j'en ai un peu plus jusqu'ici, vous voyez. Alors, ça se peut que j'en ai plus mis sur le pinceau, mais bon. Ce sont des belles couleurs. Ce sont des beaux pigments, des couleurs bien vives. Sauf que le rouge ici, ils appellent ça du cramoisi. Cramoisi, mais c'est plutôt, moi je dirais, un magenta. Ça ferait une belle couleur de magenta. Le pigment utilisé, c'est du PR122 et du PR5. Vous voyez, alors que l'autre rouge ici, c'est du PR12, celui-là ici. Naphthol Red. Vous voyez, il appelle rouge de cadmium, teinte de rouge de cadmium, puis c'est du Naphthol Red, alors voilà. Vous voyez comme quoi les appellations des tubes versus les pigments, ça fait des grosses différences. On va de suite tester l'opacité en passant par-dessus cette bande noire. Là, je reprends le blanc de titane. J'y vais avec une touche, relativement bien chargée quand même. Le jaune citron. Alors là, aucune surprise. Je m'y attendais. Les jaunes, généralement, sont toujours très transparents, même si on charge bien le pinceau. Vous voyez, c'est quand même très transparent. Généralement, les rouges sont aussi transparents. Et bientôt, nous allons passer à la démonstration avec un petit paysage. Je vais peindre avec cette peinture un peu comme si c'était, comme je peindrais avec ma peinture habituellement. Et je vais devoir m'adapter à sa transparence, son opacité, sa viscosité, sa pigmentation. Souvent, lorsqu'on change de peinture, c'est ça qui arrive. On perd nos marques. Vous voyez, le bleu outre-mer est transparent aussi, mais vu qu'il est foncé, donc on a l'impression qu'il couvre plus le noir. C'est pas qu'il couvre plus, mais c'est que la couleur est proche. Ça se ressemble un petit peu. Attendez, là j'en ai un peu trop. Voilà, perdons mon brûlé. Eh bien, dis donc. Il y a vraiment du mal à s'étaler celui-là. Hein. J'étais obligé de passer deux coups. Et le noir, alors noir sur noir, bien sûr c'est un petit peu inutile de faire ça, parce que même si c'est transparent, ben, ça cache le noir. Mais on voit qu'il est opaque aussi, puisqu'il a bien caché le blanc là-haut. Je vais prendre ma golden blanche, je vais la mettre ici, à côté du blanc. Les blancs de titane sont généralement toujours assez opaques. Je vais venir mettre une deuxième couche, si ça a eu le temps un petit peu de sécher, sur un côté ici. Vous voyez. La deuxième couche de blanc a vraiment complètement caché le noir. Bon, le jaune n'a pas vraiment... vraiment que j'en mets très épais pour avoir un petit peu plus d'opacité, mais quand même. Vous voyez, je vous montre comme j'en mets quand même très épais. Donc on arrive à peindre, mais ça va, c'est une bonne peinture pour sa gamme moyenne, la médium. C'est vraiment bien, c'est très bien. Je trouve que
On devrait arriver à faire quelque chose d'intéressant avec ça, sans trop ça, on va dire s'embêter, parce que une deuxième couche couvre bien. C'est tout ce qu'on demande à une peinture acrylique, hein. C'est qu'on puisse peindre comme on souhaite à la deuxième couche. Ouais, l'ocre jaune, aucun problème, il est vraiment très, très opaque. Ah, deuxième couche, le verre émeraude est parfaitement couvrant. Tout va très bien. Et bien sûr, le noir, bon, je le fais, mais ça sert comme à rien. Voilà. Donc, ce test, on va dire de base, nous en apprend un peu sur cette peinture. Système 3 d'Aileron. Oui, par exemple, celle-là, ils l'ont déclaré comme. Semi-opaque. Oui, il y a le petit pictogramme ici à côté du numéro. Tandis que sur celle-là, ils n'ont pas mis le pictogramme. Alors, c'est sûrement que ça, c'est les nouveaux modèles, ça, c'est les anciens, je suppose. Du moins, j'espère qu'ils n'ont pas retiré le pictogramme. Ici, nous avons. Le pigment qui est écrit ici, comme ici c'est un PY3 et PG7, donc c'est du vert et du jaune. C'est ça. Bon. Et ici nous avons PY42, iron oxide. Et puis là, je ne vois pas marqué la transparence, hein. Non, c'est ça. Sur les anciens tubes, si c'est les anciens, ceux-là, eh bien, ils ne marquent pas l'opacité. Alors que sur ceux-là, ils marquent l'opacité. Sur les nouveaux. Voyez, comme le jaune, c'est marqué transparent. Le jaune citron, c'est marqué semi-transparent. Le blanc de titane, c'est marqué opaque. Vous voyez le pigment ici, là. Donc, semi-transparent, opaque, semi-opaque, transparent. Voilà les trois sortes qui sont écrites ici. Alors, on va passer de suite à une petite démonstration, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner dans l'application. Alors, je vais faire une petite démonstration, quelque chose vraiment très simple, un petit coucher de soleil, quelque chose de très ordinaire et surtout de vite fait parce que je ne veux pas y passer 3 heures non plus de suite. Tiens, on va faire un horizon comme ceci. Vous voyez, ça aide du ruban à masquer comme ça pour faire une ligne d'horizon assez droite, ce qui me permet de travailler plus vite aussi. Donc je pourrais. Alors là, voilà les couleurs que je vais utiliser seulement. Le blanc de titane, le jaune de citron, le jaune de cadmium, le rouge, le cramoisi, le bleu outre-mer et la terre d'ombre brûlée. Coucher de soleil, bien sûr, hein, c'est plus simple. On va mettre notre soleil par ici. Voilà. Ce qui me permet de tester un petit peu cette peinture au niveau des dégradés aussi. Alors, je ne vous cacherai pas que faire des dégradés, c'est assez facile lorsque on peint une petite surface, ça c'est certain. Je vais commencer déjà à rajouter un petit peu de rouge pour faire mes orangés.
Je vais nettoyer mon pinceau de manière à venir arranger mon dégradé sans que le rouge soit toujours gagnant et que mon jaune devienne tout orangé, tout rouge. Voilà. Puis je peux toujours revenir avec du jaune ici en réépaississant. Le jaune, vous voyez, la peinture est fraîche, on peut refaire des dégradés, des mélanges intéressants. Je vais même rajouter un peu de jaune dans ce rouge-là. Voilà, pour l'adoucir un petit peu. J'essuie mon pinceau, je reviens encore dans des jaunes. Alors c'est une couche, hein. C'est sûr que si on veut obtenir un super beau résultat, il faudrait deux couches, trois couches, quatre couches, etc. Selon les endroits, puisqu'on est en acrylique et que ça sèche très vite. On peut se permettre un grand nombre de couches de peinture aussi. Ben, je reviens encore avec du plus pâle ici, parce qu'après il va y avoir mon soleil ici. Voilà. Petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de marron, un petit peu plus de rouge. Alors, dès qu'on introduit de la terre d'ombre brûlée, notre couleur a tendance à verdir. C'est pour ça qu'il faut mettre quand même du rouge. Ouais, sinon. Voilà, côté à l'opposé du soleil, on peut foncer un peu plus. Bon, mais c'est quand même, c'est bien, c'est une bonne peinture. C'est sûr que avec ma Golden, j'aurais eu plus de sensations, plus de plaisir. Là, je subis un petit peu. Un manque de couvrance, un petit peu légèrement. Mais c'est bien quand même. Ouais, je suis bien mon pinceau, je le nettoie bien à chaque fois, je reviens ici. Et on va essayer de fondre encore un petit peu ces teintes-là. Ma toile a un petit pli ici, on le voit ici aussi. C'est pas trop dérangeant. On va laisser le soleil comme ça pour le faire bien rond, mais ça suppose une légère brume, c'est bien. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc là, mon ciel est fait, hein. On va dire pour cette démo, un vrai tableau, je passerai plus de temps dessus. Je laisserai sécher, je mettrai une deuxième couche. Hein. Fait que là, je vais faire la ligne d'horizon ici. Mais je risque de l'abîmer. Donc, il faudrait que je mette le ruban à masquer sur le ciel, mais il n'est pas encore sec. Fait que je vais commencer mon eau par en bas tranquillement. Je vais préparer comme, un peu comme une couche de fond. Je vais tout faire avec le même pinceau. Tiens. Je vais prendre mon rouge, non, mon bleu. Mon bleu, j'allais dire mon rouge, non, le bleu. On va mettre un petit peu de blanc. Un petit peu de rouge. On va faire une petite base, un petit peu mauve ici, voilà. Voilà, c'est là où on s'aperçoit que, bon, peut-être, on aurait aimé avoir quelque chose qui s'étende un petit peu mieux. Voyez?
Alors, ça prend bien sûr un petit peu plus de temps. C'est pas grave, on a le temps. On aime ça la peinture, hein, on le fait avec plaisir. Alors, on ne compte pas les heures, le temps qu'on passe dessus quand on aime quelque chose. Ça me permet de recouvrir tranquillement ma toile. Et pendant qu'on fait ça, ben, on discute. Là, je vais aller plus rouge. Ici, là, le côté gauche en haut. Alors les couleurs d'un coucher de soleil, hein, c'est très variable, hein, ça dépend. Comment est-ce que l'eau est réfléchissante? Ah, pourquoi c'est bleu ici, puis c'est rouge là-haut? Eh bien, c'est parce que les reflets dans l'eau peuvent très bien refléter le ciel qui se trouve beaucoup plus haut, beaucoup, beaucoup plus haut là-haut, et qui lui contient du bleu. Je me souviens d'une photo que j'ai faite quand on était au Goude, justement, à Marseille, là. Il y avait beaucoup de bleu dans l'eau, c'est incroyable, alors que j'avais un beau coucher de soleil en face. Et pourquoi? Eh bien parce que justement, j'avais zoomé sur ma photo. Donc j'avais le très très bas du ciel. Et si on avait eu le ciel un petit peu plus haut sur la photo, ben, on aurait très bien vu qu'il y avait du bleu. Voilà. Mais c'est seulement le bas du ciel qui était orangé. Alors là, vous voyez, je m'amuse. J'étends la peinture pour que pendant ce temps-là, ça sèche là-haut. C'est juste ça, je voulais gagner du temps un peu. Ça va être assez sec peut-être juste pour légèrement protéger ma ligne d'horizon, légèrement, voilà. Et si j'avais voulu faire ça super bien, ben, j'aurais mis du médium à peindre aussi pour éviter que ça passe dans les pores de la toile. Voilà. Là, je vais pouvoir m'amuser maintenant à mettre bien du rouge ici. Bon, ben voilà, au niveau test et technique, bon, c'est bien. C'est une bonne peinture, moi je vous le dis, ouais, on peut bien s'amuser avec ça sans aucun problème. C'est très intéressant. Je vais mettre un petit peu de vert légèrement dans le bleu, parce que là, il est vraiment trop, trop bleu. Je vais prendre du jaune citron pur. Je vais venir un petit peu comme ceci là. Ça verdit très légèrement ce côté-ci un peu. Avec un petit peu de blanc, ça va donner plus d'opacité. On aurait pu avoir un bleu phtalo, ça aurait été très intéressant aussi de ce côté-ci. C'est trop, je vais revenir un petit peu de bleu avec du blanc. Putain. Avec du bleu, du rouge, on va faire du très 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 foncé. Voilà, presque noir là. On doit venir mettre, surtout là où il va y avoir du soleil, de la lumière, des ombrages très foncés.
pour créer, pour générer un beau contraste. Et voilà. Faut continuer d'enlever le blanc de la toile aussi. Parce que je vois encore les petits points. Vous savez, c'est une toile, comme je l'ai dit, qui est très texturée. J'alterne les foncés et les pâles. Une touche horizontale pour générer un petit peu la texture d'un petit clapotis. C'est pas une grosse mer, il n'y a pas beaucoup de vagues. Bon, je vais arrêter ça là, hein, parce que on passerait des heures là-dessus. Hein, quand on prend du plaisir, on n'arrête plus. Voilà. Là, je vais faire mon reflet du soleil dans l'eau. Un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Quelque chose d'assez pâle comme ça. Alors, je suis obligé d'en mettre assez épais parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. Et j'exploite un peu la texture de la toile. Je n'appuie pas mon pinceau, je fais juste glisser dessus. Bien le pinceau, je reviens un petit peu plus orangé, un petit peu plus foncé pour aller même un petit peu plus loin par ici. Hop. Pour l'instant, ça suffit. On va prendre beaucoup beaucoup plus blanc, un peu de jaune citron, un petit peu de jaune. J'ai trop mis de jaune, je remets plus de blanc. Là, ce sont vraiment quelques petites brillances. Alors, je vais juste vis-à-vis où est le soleil exactement là. Je pense que mon pinceau, il y avait trop d'eau dedans. J'ai mal essuyé. Voyons, on veut quelque chose de très très pâle. J'essuie le pinceau, je retire le adhésif. Je suppose que vous connaissez tous Bob Ross. Vous savez qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit soyons fous, puis il fait quelque chose de très très gros en avant de son tableau. Je vais faire pareil, je vais prendre de la terre d'homme brûlée, un petit peu de bleu outre-mer pour me faire un noir très foncé. Rajoute un peu de rouge pour apporter l'ambiance d'un coucher de soleil. Puis là, on peut y aller pour faire un avant-plan de rocher. Et qui vient générer un contraste. Alors, je m'excuse, ça brille un petit peu
à la caméra parce qu'il y a des projecteurs. Et je vais vous montrer l'image du tableau quand ça va être terminé. Quelques rochers encore ici. Qui reviennent par ici. Et à ce moment-là, des traits foncés comme ça aussi, peut-être à peine un petit peu moins. Il faut quand même venir en mettre encore dans la mer, surtout ici où les brillances, il y en a moins parce que c'est un contre-jour. Alors vous voyez, j'étais obligé quand même de peindre dans le frais, toujours, toujours dans le frais, pour faire des dégradés, des fondus, c'est bien, ça va, c'est agréable, mais pour d'autres moments, c'est un petit peu plus difficile. Parce que j'ai fait une petite toile, c'est une petite surface, ça sèche très vite. Hein. On va mettre quelques petites touches là, tiens. Des petits reflets. Colorer un petit peu plus le tableau, puisque on fait de la peinture, on a de la couleur, il faut en profiter. Hein. Voilà donc la photo maintenant que l'acrylique a séché ou ça brille moins. Vous pouvez mieux voir un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. C'est une peinture express. C'était fait en quelques minutes sans prendre le temps de laisser sécher, de revenir dessus, comme j'aurais peint normalement si j'avais fait un tableau. Mais quand même, ça m'a appris. Ça m'a appris comment fonctionne cette peinture de Dale Rowney. Comment est-ce qu'elle est, elle se manipule. Donc c'est sûr qu'il a fallu que je peigne toujours avec une certaine épaisseur, je ne pouvais pas trop en mettre trop mince, parce qu'elle a une viscosité qui est moindre par rapport à la peinture que j'utilise habituellement, la Golden. Si vous prenez de la Liquitex Heavy Body, et certainement cette marque aussi, Dale Rowney Heavy Body, ça va être certainement une meilleure peinture, plus épaisse, plus pigmentée aussi, plus opaque. Mais ça fait quand même du très bon travail. Si je la compare par exemple à l'Amsterdam de Talens, Royal Talens, l'Amsterdam, ben, moi je préfère celle-là. Je la trouve plus opaque, je la trouve de peut-être pas de meilleure viscosité, c'est à peu près l'identique au niveau de la viscosité, mais au niveau de l'opacité, je la trouve mieux, ou de la pigmentation aussi, je la trouve meilleure que la Talens, l'Amsterdam. Voilà, après ça, on a des. La PBO, vous voyez par exemple au niveau des gammes études, je préfère la PBO à celle-ci. Je la trouve plus de meilleure densité aussi, de meilleure viscosité. Je parle de la PBO Studio, qui est une très bonne peinture aussi, je trouve. Voilà, si on cherche des milieux de gamme, on en a beaucoup, hein, il y en a énormément dans les magasins et c'est bien de les tester un petit peu comme ça. Et j'espère que ce test vous sera utile si des fois vous aviez vous aussi des doutes sur la qualité de cette peinture-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, puisqu'on arrive à sa fin, vous a plu, que ça va vous servir au moins, que ça sera utile. Et n'hésitez pas vous aussi à faire des tests comme ça, amusez-vous, faire une petite nature morte, un petit paysage très simple, choisir un coucher de soleil parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs, de textures, tu sais, comme les feuillages, tout ça, c'est un peu plus compliqué, il faut laisser sécher. Mettre les foncés et les pâles parce que sinon tout se mélange, alors que là ça m'a permis d'y aller vraiment plus dans le frais. Amusez-vous, faites des tests vous aussi si vous avez l'occasion d'avoir des peintures de différentes marques comme ça sans les connaître. Avant de les utiliser pour vos propres tableaux, faites des tests, faites des petits essais.
voilà, sur des morceaux de toile comme ça. Hein, vous voyez, c'est même pas de la toile montée, c'est juste un morceau de toile. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, surtout, à mettre les pouces en haut, les likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en dessous de cette vidéo, dans l'espace de commentaires. Et vous savez qu'on y répondra le samedi avec grand plaisir et avec Linda. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.